Sébastien Garato, vous présenterez Berry's Boy dans le Prix de la Côte d'Azur. Il est actuellement en plein boom. Oui, Berry's Boy, il a très bien gagné. C'est un très bon cheval. Il a une belle pointe de vitesse pour finir. Après, c'est un cheval qui peut aller devant aussi. Il peut faire le dernier kilomètre en tête. Voilà, j'y vais. J'ai pas trop fait gaffe au début de l'engagement. Puis je l'ai engagé il y a peu de temps. Et je pense qu'en tête, il a une première chance. Si Glénie est pas trop loin entre la ligne droite, il peut faire mal. Oui, ça ne se rate pas de si beaux engagements à la limite du recul comme ça sur une piste plate qu'il va apprécier en plus. Ouais, je pense que c'est un super piste plate, il est bien meilleur. Et le cheval est vraiment bien, déféré des 4. Je pense que s'il a un bon parcours, il va dans les sûrs dans les 4 premiers. Ouais, il n'a pas les moyens de faire le fort trop tôt. Non, il a essayé un coup d'aller devant. Il peut aller devant comme ça, il fait le beau. Après, pour finir, des fois, dans les 200 derniers mètres, il a du mal à finir. Donc là, c'est pas le but de cramer. Donc on va essayer de courir caché. Et c'est un cheval à Bordeaux, autre jour, il était assez loin dans la ligne droite et il finit vraiment comme un V2. Donc. C'est un très bon cheval.